I used to come here as a toddler with my family. I remember the beach being very clean, very tidy, well maintained, looked after, and you just ran about the beach in your bare feet. The issue at Runderson Bay is the increase in marine litter, so it's having a huge impact on the marine life and on the community. It's awful to see it in the state it is, and you come down here sometimes and you just stand and go, where do I start? The Scottish Government is very good. They brought in the cotton bud ban, they're bringing in the plastic bottle return scheme as well, but they need to come down quicker with the new laws and make things illegal as well. We're now getting about 80 people turning up to these beach queens, so it's massive public engagement now happening, taking ownership and trying to convert it back to what it used to be when I was a child. J'ai couru enfant il y a 60 ans sur cette plage. C'était la plage où nous venions l'été en famille. Donc j'ai connu la plage, oui, je peux le dire, sans aucune pollution. Aujourd'hui, tous les ans, à partir du mois de mai, on a des quantités importantes d'algues vertes qui s'échouent sur la plage et la rendent difficilement praticable. On a un élevage très intensif autour de la baie ici, et cet élevage fait qu'il y a beaucoup d'effluents d'animaux. C'est un phénomène qui s'appelle l'eutrophisation, qui fait qu'il y a une prolifération d'algues. La seule solution viable à long terme, c'est que l'on change les pratiques agricoles. À ce moment-là, on aura moins d'azote dans les rivières et immédiatement moins d'algues vertes sur les plages. Seit Februar diesen Jahres hier auf dieser wunderschönen Insel Norderney. Was ich als Meeresbiologin ganz besonders schön finde, ich bin jeden Tag hier am Meer, aber was mich umtreibt hier, ist die Sorge eigentlich um das Ökosystem. Der Sommer hier ist sehr, sehr voll. Sehr viele Menschen kommen hierher, besonders dann natürlich zu den Stoßzeiten, wenn wir große Festivals haben. Dann finden wir natürlich noch mal extra viel mehr Müll, auch gerade in der Ruhezone des Nationalparks. In der Kernzone des Nationalparks im Osten finden keine Reinigungsaktionen statt und deswegen akkumuliert sich da einfach so viel Müll. Was natürlich wiederum für die Seehunde, die Kegelrobben und natürlich die ganzen Vögel, die hier brüten, fatal ist. Eine Lösung für Norderney wäre sicherlich aus ökosystemarer Sicht, die Besucherzahlen zu reduzieren. Es ist möglicherweise eben nicht vereinbar mit den Wünschen oder den Bedürfnissen der Leute, die hier vom Tourismus leben. Aber wünschenswert aus der ökologischen Sicht wäre es allemal. Ça fait 30 ans que des dauphins s'échouent morts sur les plages du littoral atlantique. De 10 dauphins, on est passé à 40, 50, jusqu'à 70 dauphins. Et moi qui aimais nager, voir ces dauphins morts et abîmés avec des blessures sur la joue, ça m'a choqué. La population de dauphins a dû se déplacer et aller en abondance sur les zones de pêche. Donc il y a une concurrence pêcheurs-dauphins. Il y a des méthodes de pêche énormes dans le golfe de Gascogne. Il y a du chalutage et il y a des poses de filets. Pour tenter de diminuer les captures, les comités de pêche ont permis d'accepter un observateur obligatoirement à bord des bateaux, d'équiper tous les bateaux de pinger et de remplir une fiche à chaque fois qu'ils capturent des dauphins. C'est les trois pistes qui devraient être acceptées et suivies par les pêcheurs. De peixe que se apanha agora em relação ao que havia, sei lá, nem é 50% em relação à quantidade que havia antigamente. O mar está seco. E se não fosse a tecnologia que há hoje, a aparelhagem, não apanhávamos peixe nenhum. Temos já uma tecnologia maior, conseguimos detectar peixe a mais distâncias, apanham peixe a mais profundidade e a captura é muito menos. Tem dificuldade na ganha. Não apanha peixe, não ganha. Como é que pode sobreviver? E se não fizerem este defeso e ainda terem este bocadinho de cuidado com o mar, então isto acaba tudo. O
mais important d'immédiat que la pêche pudesse melhorar é haver novas regras de defesa em todas as espécies. Todas as espécies de peixes serem protegidas na altura que está o vado. Esta é a minha opinião.